Et oui, c'est cette semaine que sort dans nos salles Avengers l'ère d'Ultron, la nouvelle méga grosse production des studios Marvel. Mais les héros Marvel ne sont pas seulement au cinéma, ils sont aussi sur Xbox One, alors sortez les boucliers, les marteaux et vos meilleures flèches, nous allons faire le tour des contenus disponibles sur votre console. Faut toujours que je ramasse derrière vous les gars. On commence avec le jeu made in Disney, j'ai nommé Disney Infinity 2.0. Dans cette nouvelle édition de Disney Infinity, les personnages Marvel sont à l'honneur avec un pack spécial pour les Avengers, mais aussi pour les Gardiens de la Galaxie. Thor, Captain America, Rocket Raccoon, Groot, ils sont tous disponibles. La force de Disney Infinity réside d'abord dans la possibilité d'avoir vos personnages en vrai, avec des figurines très détaillées et collectionnables. Vous souhaitez fracasser du monstre avec Iron Man? Eh bien, il vous suffit de poser sa figurine sur la base et il apparaît directement dans le jeu. L'autre point fort de ce jeu, c'est la création de niveaux dans le mode Toy Box. Vous pouvez créer l'univers de chaque personnage comme vous le souhaitez, dans un bac à sable modélisable à volonté. En plus de la déco, pléthore de mini-jeux sont disponibles et jouables, de la course de voiture au Tower Defense. En plus de cela, le jeu propose un mode histoire très intéressant, avec un scénario signé par Brian Michael Bendis, à qui l'on doit de nombreuses histoires des Avengers ou de Spider-Man. Un gage de qualité qui plaira aux adultes et aux enfants. Car oui, malgré les apparences, ce Disney Infinity s'adresse aussi aux parents et aux fans de comics qui ont toujours souhaité incarner les personnages Marvel dans un univers créé par leurs petites mains. Crois vraiment que t'es le meilleur ? T'aurais dû te taire. On ne pouvait pas parler d'Avengers sans parler de Lego Marvel Super Heroes. Évidemment, les jeux Lego sont très souvent un gage de qualité et cet opus est dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Comme d'habitude, l'univers est décalé et l'humour omniprésent. Au niveau de l'histoire, le surfeur d'argent s'est fait exploser son surf par un vaisseau et les briques qu'il compose sont récupérées par le Docteur Fatalis pour construire le rayon fatal de fatalité du Docteur Fatalis. Ah oui, on vous avait prévenu que c'était un peu décalé. Ton plan reste néanmoins fantastique. Niveau gameplay, vous vous baladerez dans un monde ouvert avec une caméra libre et vous aurez le choix entre des missions annexes et une quinzaine de missions scénarisées réparties sur la carte. Avec cela, vous allez pouvoir débloquer plus de 150 personnages sans compter les costumes alternatifs. Chaque personnage ayant des spécificités propres, telles que le combat à distance ou le corps à corps, c'est donc un jeu extrêmement complet qui vous attend. L'open world profite d'une fluidité très appréciable et la réalisation générale donne envie de se plonger pleinement dans l'univers. Et vous savez quoi ? Un Lego Marvel Avengers a été annoncé officiellement. On s'attend donc prochainement à voir débarquer un Ultron en briques Lego et un Iron Man en armure de anti-Hulk. Il n'y a pour le moment ni date ni info sur ce nouveau jeu, mais nous allons nous y intéresser de très très près. Si vous êtes fan de Flipper, sachez que Pinball FX2 propose lui aussi son pack spécial Avengers. Vous profiterez ainsi de nouveaux environnements inspirés du film, mais aussi des comics. Ainsi, vous pourrez revivre les événements de Fear Itself ou encore du Gant de l'Infini. Vous affronterez ainsi le terrible Thanos. Pour les vrais fans qui veulent s'exposer en armure, sachez aussi que des personnalisations d'avatars sur le thème Avengers sont aussi disponibles. Sincèrement, c'est pas la méga classe sur le live de se balader en t-shirt d'Iron Man ou de Hulk. Pour terminer ce focus spécial Avengers, sachez que vous pouvez vous refaire les films Marvel directement sur votre Xbox One grâce à Xbox Vidéo. Au programme Les Avengers, Captain America le Soldat de l'Hiver ou encore Les Gardiens de la Galaxie. Si vous êtes passé à côté ou si vous voulez vous les refaire en HD, c'est l'occasion ou jamais. Qui es-tu ? Star-Lord. Star quoi ? Star-Lord, enfin, le grand hors-la-loi. Pour plus d'infos chaudes, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à partager les vidéos et à vous abonner à la chaîne YouTube Xbox FR. En attendant, bon jeu à tous.